Tonton Mitterrand s'est reviendu. On essaie de le faire croire à la foule des moldus. La ficelle est bien grosse, mais pas pour les glandus. Tonton Mitterrand s'est reviendu. À nous ses petits neveux, on nous disait, il est clamsé, le rusé Florentin avec son écharpe mitée. Mes enfants que Jospin nous écrabouille, plutôt que de revoir un jour sa bouille. Ils étaient soulagés qu'il ait enfin pris sa retraite. Et quand ça s'est produit, les éléphants ont fait la fête. Les pauvres, ils n'avaient pas encore compris, qu'il fallait croire aux forces de l'esprit. Tonton Mitterrand s'est reviendu. On essaie de le faire croire à la foule des moldus. La ficelle est bien grosse, mais pas pour les glandus. Tonton Mitterrand s'est reviendu. Pandan Nicolas a eu l'idée d'un coup d'arnaque. Depuis que le Hollande a fait son hommage à Jarnac, sont allés chercher Tonton chez les anges pour lutter avec Sarko, quel challenge. Le chef il avait dit, ensemble tout devient possible. Ressusciter les morts, certains l'auraient fait dans la Bible. Du coup même s'il est vivant, trouve ça moche. C'est Tonton qui serait candidat de la gauche. Tonton Mitterrand s'est reviendu. On essaie de le faire croire à la foule des moldus. La ficelle est bien grosse, mais pas pour les glandus. Tonton Mitterrand s'est reviendu. La tête a explosé, français, c'est la faute à Tonton. À lui et à tous ceux qu'il a choisis pour Matignon. Si sur vous pèse le poids de la crise, ne cherchez pas plus loin qui porte la cerise. Moi Nicolas, je suis candidat et c'est lui le sortant. Déguisé en Hollande, qu'aurait fait un amaigrissement. Ça fait 30 ans que la gauche gouverne. C'est pour cela que la France est en berne. Tonton Mitterrand serait reviendu. On essaie de le faire croire à la foule des moldus. La ficelle est bien grosse, mais pas pour les glandus. Tonton Mitterrand s'est reviendu. En Corse et à Paris, on fait souvent voter les morts. Mais en faire élire un, on ne l'avait pas fait encore. Marrez-vous, imaginez donc la tête de Sarkozy perdant contre un squelette. Faut-il que les Français soient cons pour ne pas voir le loup? Comme dirait Lamartine, on vit dans un monde de flou. Ce président Dida nous fout les glandes. Candidat de la gauche, c'est bien Hollande. Tonton Mitterrand n'est pas revenu. On essaie de le faire croire à la foule des moldus. Les gens ne sont pas si bêtes, excepté les glandus. Tonton Mitterrand n'est pas revenu. Vive François Hollande! Vive François Hollande! Vive François Hollande! Vive François Hollande! Vive François Hollande!